Désolé pour cette entrée. Salut tout le monde, après cette longue absence, je reviens vers vous avec une vidéo très spéciale, c'est-à-dire une vidéo spéciale Harry Potter. Ah, je m'étonnais de ne pas vous avoir encore vu, monsieur Potter. Bah voilà, tu vas le voir, et puis d'ailleurs tu vas voir que lui, parce que cette vidéo va parler de deux jeux différents. Le premier, c'était mon tout premier jeu sur PC, et le deuxième, mon deuxième jeu sur PC, voilà. La ferme ! La ferme ! Ah bah non, t'es ouf, on a même pas commencé de parler du premier jeu, c'est-à-dire Harry Potter 1 à l'école des sorciers. Ouais. Alors, la première chose dont je vais vous parler sur ce jeu, c'est le seul niveau dont tout le monde se souvient. Tous ceux qui ont joué à ce jeu se souviennent de ce niveau. Parce que, à tous ceux que j'en ai parlé, ils me disent « Ah, c'est le jeu où tu as dessiné un Wingardium Leviosa pour l'apprendre !» Eh bah oui, c'est le jeu où, en faisant un petit escargot, on apprenait le sort Wingardium Leviosa. Non, stop, stop, stop. Tu vas finir par crever un œil à quelqu'un. Et puis d'ailleurs, tu ne sais même pas le prononcer. C'est Leviosa. Et pas Leviosa. La ferme ! La ferme ! Ouais, merci. Wingardium Leviosa, qui était d'ailleurs le premier sort qu'on apprenait. Donc en fait le but était très simple, c'était de suivre avec la souris, et par conséquent la souris parce que je l'avais sur PC, voilà l'escargot, en essayant de pas trop dépasser, et si tu dépassais pas trop, bah t'arrivais à apprendre le sort, et généralement tu l'apprends quasiment tout le temps. Hein. Donc Quirrell est content, c'est génial, c'est cool, on passe directement à la deuxième vidéo sur ce jeu, c'est-à-dire... Bah c'est-à-dire chercher des bonbons qui se baladent sur les étagères de la bibliothèque. Hein. Et je me souviens, de, quand j'étais petit, passer beaucoup de temps à essayer de rechercher ces saloperies de bonbons. Qui est tout à fait normal, je le conçois, qu'ils se baladent sur des étagères. Enfin bon, on va pas refaire le jeu. Hein. Alors je tenais aussi à dire, comparé aux autres Harry Potter, aux autres jeux Harry Potter, que ce jeu, celui-là, est extrêmement bon. Enfin, en même temps, c'est sûr qu'il ne peut être que bon comparé aux autres. Mais il est vraiment captivant, moi j'ai passé beaucoup d'heures dessus, et je vous cache pas que l'envie d'y rejouer est en moi, est très forte en moi. Ouh. Et d'ailleurs, je remercie Joanne qui va bientôt me le passer, et qui ne regardera sûrement pas cette vidéo, parce qu'il regarde pas mes vidéos. Quand ça arrivera, je vais le tuer. Voilà, donc ce jeu est bon. Jouez-y, parce que c'est très bien. Par contre, les voix ne sont pas les bonnes. On dirait que c'est les voix québécoises. C'est-à-dire que Malfoy s'appelle Malfoy et Hermione Granger s'appelle Hermione Granger. Voilà. Ne vous en faites pas, Harry Potter ne s'appelle pas Harry Potter. Mais on s'en fout, parce qu'on va parler de Quidditch, et rien que de Quidditch. Si je vois un seul balai dans les airs, celui qui sera dessus sera renvoyé de Poudlard avant d'avoir eu le temps de dire Quidditch. Oh mon dieu, on va tous être virés, parce qu'on va parler de la Coupe du Monde de Quidditch. Harry Potter et la Coupe du Monde de Quidditch est un jeu sorti il y a environ 10 ans, donc en 2003, nous sommes en 2013 d'ailleurs. C'est un jeu où il n'y a pas beaucoup de points noirs. Arc, point noir. Bref, c'est un jeu où il y a quand même deux gros vilains défauts, à savoir la difficulté, ce jeu est beaucoup trop simple. Alors, attraper le vif d'or rapporte 250 points. On peut attraper le vif d'or en contrôlant l'attrapeur que l'on contrôle quand les deux bouts du vif d'or se collent, les deux bouts que vous voyez en haut à côté des scores. Voilà, c'est une chose, 250 points quand vous attrapez le vif d'or. Le problème, c'est que vous avez déjà au moins 250 points quand le match se termine, étant donné que vous marquez tous ces points en mettant des buts avec le Swarfle, ce qui est extrêmement facile, même quand la difficulté du jeu est au maximum. Donc en fait, c'est un jeu pour les demeurés comme moi. On voit Harry Potter et Olivier Dubois qui viennent supporter équipe de France que je contrôle habituellement. C'est l'équipe, une des équipes que je préfère dans ce jeu. Ainsi que l'équipe, une équipe où il fait froid, où il y a des glaçons. Je sais plus, c'est une équipe où il fait froid. Je sais qu'ils ont des manteaux et tout ça. Bref, on joue contre l'équipe d'Angleterre, qui sont pas très bons. Ils sont d'ailleurs tous blonds, mais c'est pas pour ça qu'ils sont mauvais. Vous voyez, on a déjà 30 points. C'est extrêmement facile de gagner. L'autre défaut de ce jeu, parce qu'on aime bien parler des défauts,
c'est qu'on ne peut pas contrôler vraiment la direction des joueurs. On peut se diriger vers le but adverse et vers notre propre but, mais on ne peut pas vraiment se balader dans le terrain comme dans Harry Potter 1 ou dans le match de Quidditch où on contrôle Harry Potter. On peut se balader un peu n'importe où. Là, on doit vraiment aller de but en but et ça perd vraiment beaucoup de valeur. Et là, il faut éviter le cognard. Voilà, autre chose, on peut évidemment contrôler toute l'équipe, les poursuiveurs, donc celui qui a la balle. On peut faire des combos aussi avec les batteurs pour exploser la gueule de l'adversaire. On contrôle pas le gardien, je crois bien. Enfin, sauf à la relance, je crois. Hein. Je n'en suis pas sûr, il faudra vérifier. Et on contrôle l'attrapeur, ce que je vais vous montrer maintenant. Attention, ça va aller très vite, les deux attrapeurs sont côte à côte. Il se rapproche de plus en plus du Vif d'Or. L'équipe de France qui prend de l'avance, qui s'est lancée, qui s'approche du Vif d'Or, qui lance complètement l'équipe d'Angleterre. L'équipe de France qui se met debout. La trappeuse de l'équipe de France va essayer de plonger, qui plonge, qui attrape le Vif d'Or. Et bravo à l'équipe de France qui gagne le match au moins 900-0. C'était un très beau match. Harry Potter est très content. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, merci de nous avoir suivis. C'était moi-même. Oui. Je suis le prince de sang mêlé. Mais il n'y a aucun rapport!